Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où c'est le Racing Club de Lens qui fait les gros titres. Selon l'équipe, le club nordiste et ses supporters s'organisent dans le calme pour retrouver l'élite dans les meilleures conditions. Car les sang et or remontent en Ligue 1 la saison prochaine. Le quotidien explique que la tendance serait plutôt à une prolongation de l'entraîneur en place, Francaise, pour miser sur la continuité. Lens devrait d'ailleurs conserver la même ossature d'équipe en vue de cette saison en première division. Autre club de Ligue 1 qui fait la une du journal, c'est l'OM qui est mis sous pression, d'abord par le fair-play financier, puis par son entraîneur, André Villas-Boas, ce dernier expliquant qu'il voulait rester et jouer la Ligue des Champions à Marseille, tout en demandant des garanties sur le projet phocéen. En Italie, la presse s'intéresse à la reprise ce mercredi. Allez, l'Allemagne, s'emporte le Corriere dello Sport. Le foot repart et Madame Merkel nous ouvre la voie. En effet, la reprise de la Bundesliga devrait être autorisée prochainement. Les médias allemands parlent du 21 mai comme date pour reprendre le championnat. Et côté transalpin, on espère suivre le même chemin. La reprise fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien rose rapporte que le Scudetto passe en phase 3. Une nouvelle étape vers un retour sur les terrains. Autre point important relevé par le journal, l'importante dévaluation qui touche les championnats de foot en Europe. Les prix des joueurs s'écroulent et la Serie A va perdre environ 1,5 milliard d'euros, alors que la Liga frôle les 2 milliards de pertes. La Première Ligue affiche, elle, 2,7 milliards comme manque à gagner. D'ailleurs, en Angleterre, les tabloïds réagissent tous aux déclarations de Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier a voulu redonner espoir aux Britanniques, expliquant que le scénario de reprise devait relever l'esprit de la nation. Le gouvernement anglais semble donc favorable à un retour de la Première Ligue, ce qui fait aussi la couverture du Daily Mirror ce mercredi. D'ailleurs, l'une des possibilités pour pouvoir poursuivre la saison jusqu'à son terme serait de ne pas jouer 90 minutes par rencontre. Des parties plus courtes pour protéger l'intégrité physique des joueurs, comme le rapporte le quotidien Metro. Il s'agit ici d'une proposition de l'association des footballeurs professionnels qui sera étudiée lors d'une prochaine réunion. On part en Espagne où Thibaut Courtois fait les gros titres. Le portier belge a donné son ressenti quant à une fin de saison avec une petite pique vers le rival catalan. Ce serait injuste que le Barça soit champion, a-t-il affirmé. Nous avons été meilleurs. Des propos rapportés aujourd'hui par AS qui ajoute que Courtois se rappelle que le Real avait gagné les Blaugrana au Camp Nou et à Bernabeu. Les mots du gardien font surtout polémique en Catalogne comme avec le journal Sport. Courtois, pourquoi tu ne te tais pas, se demande ce dernier. Le quotidien met en avant le fait que le Barça ait 2 points d'avance sur le Real Madrid. Autre point évoqué, la réponse de Quique Setién qui affirme que si les choses ne peuvent reprendre, il serait logique que le classement reste tel quel. On revient sur la couverture du journal AS car Kylian Mbappé est évoqué, ainsi que son avenir. Selon le média ibérique, le Français pourrait accepter une prolongation au PSG, mais uniquement si une clause qui lui permet de rejoindre un grand d'Europe est insérée dans le nouveau contrat. Le tout en échange d'un prix fixé par cette clause. Toujours en Espagne, le Barça continue de s'activer et de penser au mercato. Et d'après Mundo Deportivo, Nelson Semedo pourrait bien être la clé. Le latéral blaugrana intéresse beaucoup de monde et pourrait être utilisé comme monnaie d'échange dans plusieurs transactions. Récemment, il était annoncé du côté de Manchester City alors que João Cancelo ferait le chemin inverse. Semedo est aussi l'une des pièces qui séduit le plus l'Inter en vue de l'opération Lautaro Martinez. Enfin, dernière possibilité, il pourrait faciliter l'opération Neymar car le latéral du Barça ne serait pas contre le fait de jouer pour Paris. Et puis on termine ce tour de la presse avec l'Allemagne et le dossier Leroy Sané au Bayern Munich. D'après Sportbild, les Bavarois se rapprochent de leur gros objectif depuis quelques temps. En effet, l'attaquant de Manchester City aurait trouvé un accord avec le champion de Bundesliga autour d'un contrat de 5 ans. Mais surtout, le Bayern espère faire baisser son prix. Les négociations seraient lancées avec les Sky Blues, avec une première proposition autour de 40 millions d'euros. La principale raison à cette chute de valeur est la fin de contrat de Sané qui se rapproche. Il est lié avec City jusqu'à l'été 2021. Selon le quotidien allemand, les dirigeants mancuniens pourraient accepter de le laisser partir en échange de 50 à 60 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.